これがお前の再現したかった死に様か。こんなことで諦めるなんて、それでも俺の息子かい？お前の名前は俺がつけたんだから、せがれなんだし。Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la communauté Naruto, il y a un débat qui fait rage depuis très longtemps, un certain combat entre deux légendes du monde Shinobi, Itachi versus Minato. Dans les commentaires de mes vidéos, beaucoup m'ont demandé mon avis sur ce sujet et c'est avec un très grand plaisir que je vais y répondre en détail. Qui est le plus puissant entre Itachi et Minato? Pour ce combat fictif, on va voir ensemble les points forts, les points faibles et même les techniques fétiches de ces deux personnages. Mais juste avant de commencer, nous avons réussi à porter Naruto en tendance, c'est pas le plus important, mais ça fait plaisir parce qu'on a réussi à porter cette œuvre magistrale en tendance et j'en suis hyper content. Naruto c'est trop bien, Naruto c'est la vie, Naruto vie. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis sur le sujet et même à pourquoi pas me proposer les vôtres. Je suis à l'affût de tout ce qui se dit dans le monde ninja. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Minato Namikaze est l'un des êtres les plus puissants du monde Shinobi. Il paraît certes très sympathique, et objectivement oui, il est très sympathique. On t'aime tous Minato, mais quand on touche à sa famille, ses amis et ou son village, il devient un véritable démon. Minato est le quatrième Hokage de Konoha, ainsi que le père de Naruto Uzumaki. De par son titre de Hokage, il est de fait l'un des êtres les plus puissants au monde, mais c'est également le plus puissant Kage de son temps. Aucun Kage ne pouvait le battre en 1 contre 1. C'est simple, Minato était tout simplement imprenable. Hiruzen Sarutobi l'a choisi parce qu'il a vu en lui la volonté de Hashirama et Tobirama et parce qu'il connaissait son immense puissance. Itachi Uchiwa était le Uchiwa le plus puissant de son vivant. Les Uchiwa sont réputés pour être de très grands combattants avec d'excellentes capacités. C'est le plus gros clan du monde Shinobi avec le clan Senju porté par Hashirama et Tobirama. Les capacités physiques et mentales d'Itachi le rendent immensément puissant. C'était l'un des meilleurs et plus puissants ninjas au monde. Itachi était considéré comme étant un véritable génie et c'est un fait indiscutable. Itachi est un génie et il a réussi à mettre du mieux possible son génie à profit pour pouvoir se hisser tout en haut de la pyramide de puissance. Ces deux personnages sont de redoutables shinobi. Ils sont tous les deux reconnus dans le monde tout entier pour leurs capacités respectives ainsi que leur grande puissance. Minato Namikaze et Itachi Uchiwa. Minato est mort à l'âge de 24 ans et Itachi à l'âge de 22 ans. Ils sont donc morts quasiment au même âge. Ça peut paraître assez inintéressant mais pas vraiment. En effet, ils ne sont certes pas nés dans la même année, mais ils ont tous les deux vécu le même nombre d'années dans un monde en perpétuel conflit. Par conséquent, ce qui concerne l'expérience, on ne peut pas dire que l'un est beaucoup plus expérimenté que l'autre. L'expérience pour un ninja, c'est quelque chose de fondamental. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en accumulant les missions et les combats qu'on devient un meilleur ninja. Outre l'expérience, ces deux hommes possèdent une intelligence hors du commun. Cependant, Minato est supérieur à Itachi à ce niveau-là. En effet, il est dit que c'était la personne la plus intelligente avec Tobirama. Itachi est donc en dessous. Maintenant, pour le bien du combat, on doit parler des points forts et des points faibles de chacun. Pour les points forts d'Itachi, Itachi possède et maîtrise très bien le Mangekyo Sharingan. Grâce à lui, il maîtrise le Tsukuyomi qui est une technique mentale d'une très grande intensité. On se rappelle qu'elle a littéralement mis KO Kakashi attaqué. KO terminé, la fête était finie pour lui. Amaterasu qui sont les flammes noires qui ne s'éteignent pas. Un Susanoo qui lui confère une excellente défense ainsi qu'une excellente attaque. Le miroir de Yata qui est un bouclier légendaire qui confère une défense absolue sur toute attaque de ninjutsu. L'épée de Tozuka. Une épée légendaire qui permet de sceller n'importe qui. Yazaka Magatama, une puissante technique à distance. L'Izanami, un genjutsu puissant qui permet de placer l'adversaire dans une boucle temporelle sans fin jusqu'à ce qu'il accepte son destin. Et enfin l'Izanagi qui permet d'annuler les pires blessures. Pour les points forts de Minato, il maîtrise parfaitement l'espace-temps qui lui permettait d'être le plus rapide au monde de tous les temps. Il maîtrise le Senjutsu, le mode ermite qui augmente considérablement la puissance globale. Il possède des réflexes instantanés, une vitesse brute colossale. Des puissantes invocations du mont Myoboku, le Rasengan, une énorme réserve de chakra. C'est un expert en Fuinjutsu et enfin il a une excellente capacité pour analyser. A partir de là, on se dit une chose en particulier. Ce sont de véritables monstres de puissance. Ces
deux hommes possèdent un arsenal de points forts juste colossal. C'est hors norme. Pour les points faibles d'Itachi, il a une réserve de chakra limitée. Il ne peut pas utiliser ses yeux trop longtemps. C'est le problème du Mangekyo Sharingan. Il confère une puissance hors du commun, mais il ravage littéralement les yeux. Et enfin, son Susanoo consomme vraiment beaucoup de chakra. Le Susanoo, c'est comme une voiture. Si ça consomme beaucoup, bah c'est très compliqué. Pour les points faibles de Minato, on pourrait dire qu'il ne maîtrise pas le Genjutsu, mais ça c'est pas vraiment un point faible, parce que sinon on peut dire que par exemple, Itachi n'a pas le mode ermite. Donc en ce qui concerne ses points faibles, j'ai beaucoup cherché mais j'ai rien trouvé de vraiment flagrant. On peut dire qu'il a grand cœur et que ça pourrait être un point faible, mais on parle quand même d'un homme qui a annihilé 1000 ninjas. 1000. Donc bon. Objectivement, par rapport aux points faibles, on peut dire que la balance penche plus du côté de Minato. Et d'ailleurs, j'ai omis de dire qu'Itachi n'avait pas une excellente force brute, alors que Minato, quant à lui, en mode ermite, il possède une force colossale. Le mode ermite, c'est pas n'importe quoi. Fukazaku a déjà porté l'énorme Gamabunta. Fukazaku. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les éléments que l'on peut trouver dans l'œuvre, Itachi a clairement dit à Kisame que si à eux deux ils s'en prenaient à Jiraiya, ils perdraient le combat. C'est officiellement dit. Et d'ailleurs, c'est même confirmé quand des personnages se demandent comment est-ce que Naruto a pu passer l'ellipse sans crainte. Il était accompagné de Jiraiya. En sachant cela, je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Minato est plus puissant que Jiraiya. Jiraiya était plus puissant que Itachi et Kisame. Avec un raisonnement logique, ici on comprend que Minato est plus puissant que Itachi. Et on ne se base bien sûr que sur des éléments donnés. Le fait que ce soit Itachi en personne qui le dit, eh bien ça accentue encore plus la chose. Ce sont des mots forts, des mots concrets, des mots qui veulent dire beaucoup de choses. En autre élément, Minato possède une faculté qui le rend beaucoup trop puissant en 1 contre 1. Avec cette faculté, il est parvenu à vaincre 1000 shinobi en une seule seconde. Sa vitesse colossale. De par sa vitesse, il peut contrer toutes les techniques ennemies, dont celle d'Itachi. Prenons un exemple qui illustre parfaitement la chose. Le Raikage ne pouvait pas être sous l'emprise du Genjutsu de Madara pour la simple et bonne raison qu'il était beaucoup trop rapide. Il était moins rapide que Minato et pourtant Madara ne pouvait pas le placer dans son Genjutsu. Il a fallu que le Raikage soit immobilisé pour se prendre le Genjutsu de Madara Uchiwa. Maintenant, imaginez Minato qui est comme dit plus tôt plus rapide que le 4ème Raikage. En toute logique, jamais il ne se fera attraper par Itachi en termes de Genjutsu. Donc certes, le Tsukuyomi est phénoménal, mais l'avoir et parvenir à le placer, ce sont deux choses bien différentes. Autre exemple concret. Durant le conseil des Kage, le Raikage a esquivé l'Amaterasu de Sasuke, la même technique que son frère, Itachi. Alors qu'habituellement, par rapport à Amaterasu, ça se passe plus ou moins bien, dirons-nous, ici le Raikage a tout simplement esquivé l'attaque. Pourquoi ? Eh bien c'est simple, sa vitesse lui confère ce luxe. Le luxe de pouvoir esquiver ce genre d'attaque. Maintenant, imaginez Minato qui maîtrise l'espace-temps. Souvent, je vois que beaucoup s'interrogent sur l'origine de la puissance du 4ème Hokage. Ici, on a un énorme élément donné. Sa vitesse. Alors oui, ça peut paraître trop parfait, mais c'est comme ça. Madara pouvait être considéré comme étant parfait, la 8ème porte également, le Jinton aussi, etc, etc. Grosso modo, en toute logique, Itachi ne pourrait pas trop parvenir à toucher Minato. Surtout qu'Itachi a une réserve de chakra très limitée. On imagine bien qu'après plusieurs utilisations du Mangekyo Sharingan, ça se vide. La voiture est sur l'autoroute, il n'y a plus de station, le réservoir est quasiment vide. Minato connaît les Uchiwa et il connaît également le Sharingan. Ça peut paraître anodin, mais l'une des forces du Sharingan, c'est l'effet de surprise. Prendre un adversaire au dépourvu parce qu'il ne connaît rien du Sharingan, eh bien c'est grandement bénéfique. Par contre, comment voulez-vous prendre au dépourvu quelqu'un qui connaît vos capacités? Le Sharingan permet de copier les techniques, cependant Itachi ne peut pas copier la technique de téléportation de Minato. Pour Itachi, c'est impossible. Maintenant, parlons concrètement de capacités puissantes. On ne va pas se mentir, Itachi possède des capacités juste ahurissantes. Le problème, c'est que contre la vitesse de Minato, c'est peine perdue. Si on prend quelqu'un d'autre, comme par exemple son acolyte Kisame, eh bien là c'est possible. Il est certes très puissant, mais Itachi peut le sceller. Il peut le placer dans un Genjutsu. Il peut lui placer un Amaterasu, etc, etc. Par contre, face à Minato, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop compliqué. Que ce soit l'épée de Tozuka, les Yazaka Magatama ou encore le Tsukuyomi, contre Minato, c'est juste impossible. Minato à lui seul a battu 1000 ninjas en une seule seconde. Une seule. Je suis obligé de répéter cette information parce qu'elle représente la vitesse du bonhomme. 1000 ninjas en une seule seconde. On dirait une blague et pourtant c'est bien réel. Par exemple, Hashirama Senju pouvait se prendre autant d'hommes avec Mokuton, statue de Bouddha. Eh bien, c'est pareil pour Minato. Il pouvait le faire et il l'a fait.
C'est hallucinant. Il est dit que Minato trouve directement les faiblesses adverses, et ce avec une aisance et une rapidité déconcertantes. Cependant, objectivement, Minato ne peut pas détruire le bouclier de Yata. De plus, dans l'absolu, si Itachi parvient à toucher Minato avec son épée de Tōzuka, eh bien c'en est fini pour Minato. Il sera scellé à tout jamais. Donc on peut effectivement dire que de par les facultés de ses trésors légendaires, si Itachi parvient à voir Minato avec un incroyable timing, eh bien c'est possible. Pour lui, c'est possible qu'il le batte. Le problème avec ce raisonnement, c'est que ça revient dire que Onoki peut se faire Hashirama, Tobirama ou encore Madara en un seul coup avec son Jinton. Le Naruto Bai, c'est que pouvoir et réussir, ce sont parfois deux choses bien différentes. Minato est beaucoup trop rapide. Il est plus rapide que le Raikage, c'était l'homme le plus rapide de tous les temps devant Tobirama Senju. Il est allé jusqu'à surpasser le deuxième Hokage avec sa technique de téléportation. Par conséquent, si Itachi essaie de le toucher avec son épée, eh bien Minato l'esquivera forcément. Rien que par exemple contre Obito. Combien de temps il aura fallu à Gai, Kakashi et Naruto pour trouver un moyen de le toucher. Minato quant à lui était seul et ça ne lui a pris que quelques instants avant que boum, Rasengan. Minato en pleine concentration voit les mouvements adverses beaucoup trop facilement. Obito avait une technique spatio-temporelle et pourtant il est parvenu à se le prendre rapidement. Le quatrième Raikage est littéralement assommé Minato et pourtant malgré sa vitesse, Minato le regarde tranquillement et esquive très voire trop facilement. En réalité, il y a une certaine nuance à comprendre. Minato n'est pas seulement la personne la plus rapide au monde juste pour aller d'un point A à un point B. S'il était juste rapide comme ça, jamais il n'aurait pu esquiver le coup de poing du futur du Raikage. La vérité, c'est que Minato a clairement vu le coup de poing. Il a eu le temps d'analyser la situation, de savoir où partir, d'enclencher sa téléportation et d'utiliser sa téléportation. Si on prend en compte la vitesse du Raikage, ça relève de l'extraordinaire. Ce que je veux dire, c'est que s'il est en pleine concentration, jamais Itachi ne pourrait le toucher avec l'épée de Tōzuka. Il ne lui reste donc plus que le bouclier de Yata. Le bouclier de Yata est le bouclier ultime du monde Shinobi, mais en soi, ça reste un bouclier avec ce que ça implique. Il est certes indestructible parce qu'il utilise l'élément contraire pour contrer une attaque élémentaire, mais ça ne reste qu'un bouclier avec une certaine taille. Par conséquent, avec sa vitesse, pouvons-nous dire que c'est un problème pour Minato ? Pas vraiment. De plus, le Susanoo d'Itachi consomme beaucoup trop de chakra. Dans l'hypothèse où Minato fait perdurer le combat, Itachi se verra dans l'obligation d'annuler son Susanoo. Par ailleurs, Itachi a déclaré que chaque jutsu avait une faiblesse. Ce qui signifie qu'il savait que ses plus puissants jutsu avaient aussi des faiblesses. En l'occurrence, l'épée de Tōzuka et le miroir de Yata. On a vu ça ensemble, s'il se retrouve face à trop rapide, pour lui c'est très compliqué. Le problème avec Minato, c'est qu'on n'a jamais eu la chance de voir toute l'étendue de ses capacités. Minato peut vous exterminer sans que vous ne vous en rendiez compte. Minato est le plus jeune Hokage de l'histoire et Hiruzen l'a choisi en connaissance de cause. Ceci étant dit, Itachi est un ninja d'une puissance globale juste phénoménale. Je le dis clairement, c'est l'un des shinobi les plus puissants au monde de tous les temps. Il a battu de puissants adversaires très rapidement. Mangekyo Sharingan, arsenal légendaire, intelligence. Il ne faut surtout pas le sous-estimer. Par contre, il y a un autre homme à ne pas sous-estimer. Son nom, Minato Namikaze. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.